La Monarde, voilà une vivace que je vous recommande. Vous voyez ici, on avait un petit trou entre deux carrés potagers. On l'a installé. Alors, c'est une plante vivace qui est résistante aux coups de sec. Elle est résistante au froid. Hein. Je vous le rappelle, on est dans les Vosges ici. Et puis, elle a résisté à des hivers à moins 20 degrés. Ça fait 5 ans qu'elle est en place. Elle demande un soin très léger, c'est-à-dire qu'on va juste la retailler au début du printemps pour enlever les tiges sèches, hein, c'est le principe d'une vivace, et en plus elle est mellifère et comestible. Alors toutes les parties de la monarde sont comestibles, c'est le cas des tiges, des feuilles, des fleurs. Leur goût, c'est un mélange, on va dire, entre la bergamote et la menthe. Elle est appréciée en cuisine pour agrémenter les salades, pour des sauces, pour des liqueurs. Elle est également très prisée en infusion ou alors même pour parfumer le thé. Donc pour une vivace comestible, c'est parfait au potager, et elle a un avantage aussi, c'est cette floraison qui est superbe, elle est aussi décorative.